J'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va préparer la semaine ensemble. Sincèrement, c'est un gain de temps pas possible. C'est vraiment un gain de temps. Ça me permet d'être zen tout au long de la semaine. Donc là, on va commencer par le jus de monsieur. Ça sera le gingembre. De toutes les manières, ces derniers temps, il ne jure plus que par le gingembre. Bref, donc je nettoie, je l'avais laissé tremper pendant, je l'ai nettoyé pendant 2 jours. Tremper, nettoyer pour enlever toute la terre. Ensuite, je mets dans mon mixeur pour enfin l'écraser simplement. De vanille. Je mélange et c'est prêt à être mis dans les flacons. Ensuite, je passe aux herbes que je vais écraser. Donc ça, c'est de la coriandre, persil, oignon, ail. Il y a aussi de la ciboulette. Je nettoie d'abord au savon comme d'habitude. J'utilise le même blender, je ne l'ai pas nettoyé. Je m'excuse pour ma voix. Je ne l'ai pas nettoyé parce que je voulais aussi mélanger mes herbes avec du gingembre. Donc j'ai laissé un peu de gingembre à l'intérieur et je mets mes herbes pour écraser le tout.
Ensuite, je vais tout mettre dans des bocaux, comme ça au moins ça peut aller au congélateur. J'en ai au moins pour une semaine et demie, 2 semaines. J'utilise beaucoup d'herbes, oui, j'en utilise beaucoup. J'aime quand on sent l'assaisonnement, quand on sent que la nourriture a été bien assaisonnée. Bref, j'aime vraiment sentir que la nourriture est épicée et bien assaisonnée. Moi, ça me fait du bien. Ça fait du bien à ma bouche, quoi. Surtout maintenant que l'appétit est revenu. Ensuite, je passe aux légumes. On va nettoyer le tout, comme d'habitude, en carottes. Carottes, concombres, tomates, pommes de terre. Je nettoie le tout au savon. Oui, je coupe mes carottes. J'avais mis de l'eau au chaud. J'avais mis de l'eau au feu avec du sel, de l'eau salée. Donc là, je mets mes carottes que je vais laisser cuire pendant 2 à 3 minutes parce que mon mari et mon fils aiment bien les carottes croquantes, pas trop cuites. Voilà. Ensuite, je passe à la tomate que je coupe aussi déjà et je vais mettre dans un pot qui va aller au frigo. Sincèrement, c'est un gain de temps pas possible. Le matin, tu mélanges juste tous les ingrédients et puis voilà, basta. Tu ne passes plus une heure dans la cuisine. Le matin, si tu dois passer une heure, l'après-midi, une heure, le soir, une heure, ça fait trop là. Ensuite, je passe aux pommes de terre que je coupe en petits dés. Puis, je mets aussi mes pommes de terre dans de l'eau bouillante salée. Pendant au moins 3 minutes. Ensuite, je passe au concombre. J'ai coupé une partie, je ne vais pas dire râpé, mais j'ai utilisé les économes en fait. Je vais demander à mon mari s'il va apprécier, mais bref, j'ai voulu changer un peu. Donc, une partie, je l'ai coupé avec l'économe et une autre partie, c'est l'économe ou l'épluche aiguë. Bref, tu as compris. Une autre partie, je l'ai coupé comme d'habitude en rondelles. À l'oignon que je coupe aussi en lamelles.
Entre-temps, mes légumes, j'avais enlevé mes légumes du feu, donc carottes, pommes de terre. Je rajoute l'oignon, je mets mes épices. Ça, c'est. Je m'excuse si tu entends du bruit, je suis désolée. Je mets mes épices, donc j'ai mis du curry, j'ai mis un truc de 4 épices, et puis de l'huile, et ça repart au feu pendant au moins 5 minutes. J'ai mis aussi les herbes, et ça repart au feu pendant au moins 5 minutes. C'est prêt et là je peux mettre dans mon assiette. On passe aux fruits, c'est aussi un gain de temps de pouvoir couper mes fruits, les mettre dans une assiette au frigo. Comme ça, au moins, on n'a pas la flemme. Quand on veut manger les fruits, c'est déjà coupé, quoi. On n'a pas la flemme d'aller encore recouper. Bref, donc il y avait mangue et on a les litchis sont sortis. Les litchis sont sortis, c'est comme s'ils étaient enfermés. Non, il y a maintenant des litchis sur le marché, c'est la saison. Surtout en décembre, normalement, il y en aura beaucoup. Donc, je nettoie mes mangues litchis et j'avais aussi acheté un petit ananas. Et ensuite, je coupe mes mangues, je coupe aussi mes litchis. Ah, Ben n'a pas vu les litchis. Il aime trop les litchis. Chez moi, ils aiment les fruits, mais il faut les couper. Voilà, c'est simple. Il faut vraiment les couper. Donc, regarde mon assiette. Elle est trop belle, tu trouves pas? Ensuite, je passe à l'ananas. Sincèrement, l'ananas m'énerve. Nettoyer, couper, surtout couper. Oh, c'est. Et cet ananas n'était pas trop bon parce qu'il y avait une partie qui était en mauvais état. Bref, j'ai dû enlever toute une partie de l'ananas. Déjà qu'il était petit. Entre-temps, j'avais préparé les pâtes. Donc, je mets dans un bol aussi. Ça va aller au frigo. J'avais aussi préparé les œufs, mais je ne t'ai pas montré, des œufs durs que j'ai mis aussi au frigo. L'ananas, je l'ajoute à mon bol de fruits, comme ça au moins ça aussi c'est fait. Aux biscuits et comment ça s'appelle et gâteaux de la semaine. Pour les biscuits, j'ai opté pour les biscuits que j'ai fait la semaine dernière. C'était la semaine dernière, je pense. Je sais plus. Bref, des biscuits au chocolat. Donc, je fais fondre mon chocolat. Je rajoute dans un autre bol plutôt 2 œufs, du sucre. Je bats. Je rajoute du beurre. En fait, c'est une version revisitée des sablés bretons, tout simplement. De la farine de blé et comme tu sais maintenant j'aime bien mélanger les farines. Là c'est un mélange de farine de maïs et farine de riz, de la levure chimique. Je mélange tout. Ensuite sur du papier film, on dirait pas qu'il y a du papier film là, mais j'avais mis du papier film sur du papier film. Je mets ma pâte, je l'étale et je rajoute du chocolat au milieu. Puis je forme un boudin et ça va aller au congélateur. Normalement c'est au frigo pendant 2 heures, mais bon, au congélateur j'ai laissé pendant 1 heure. Ensuite, dans le même bol où il y avait du chocolat, pour ne pas gaspiller le chocolat, je fais un gâteau yaourt.
très simple. Voilà, tu connais la recette du gâteau yaourt, un pot de yaourt, levure chimique, du sucre, deux pots de sucre, mais moi je ne remplis pas trop les pots de sucre parce que je n'aime pas qu'il y ait trop de sucre dans les gâteaux. Ensuite, deux pots de farine de blé et un pot de farine mélangée, farine de maïs et farine de riz. Je mélange le tout. Je rajoute deux œufs. On mélange. On met dans le moule. J'ai mis du papier sulfurisé pour ne pas utiliser du beurre ni de la farine. Et c'est très simple comme ça. Et voilà, ça va au four. Mon boudin, il a bien durci, donc il est plus facile à couper. Je vais couper des rondelles que je vais mettre sur mon plateau, le plateau qui va au four. Donc, ce sera des petits sablés bretons revisités au chocolat. Toujours sur du papier sulfurisé, je mets mes biscuits et j'enfourne. Alors, je ne peux pas te dire la température ni le temps parce que moi, je mets toujours au plus bas. Mon four est très puissant. Donc, je mets toujours au plus bas et même quand je mets au plus bas, surtout les biscuits, je dois regarder tout le temps. Bref, mon gâteau est prêt. Voilà, trop bon. Mes biscuits sont prêts. Trop bon. Non, mais sincèrement, ils sont bons. Je mets dans un pot et voilà, c'est prêt. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si c'est ton temps fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Regarde comment c'est beau. Bref, d'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.